amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Welcome in my cours. Je sais pas comment ça se dit en anglais. Voilà. Les gars, on a mis genre trop de temps à sortir toutes les motus du garage. C'est simple, la vidéo, on n'a pas pu la faire à l'intérieur, il y en avait trop. C'est dommage. Trop bien quoi. Mais genre regarde, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que les 3 dernières, on les considère comme des motos entières? Ou est-ce que on s'arrête à genre 9, 9,5, 10, 10,5? Est-ce que c'est des demi-motos? Non, allez, 12, on va dire, c'est des motos. Elles ont 2 roues, un moteur, un guidon, tu vois. On n'était pas parti pour ranger pareil avec Charlotte, tu vois. Moi, j'étais parti dans ma tête pour ranger par ordre de cylindrée. Et Charlotte a été partie pour ranger par ordre de volume. C'est-à-dire que la moto qui lui paraissait la plus grosse, elle voulait la mettre au bout. Et celle qui lui paraissait la... Tu vois, c'est pas mal, hein. Mais du coup, c'est pas, c'était pas bon. Parce que du coup, la CRF 2,5, elle voulait la mettre après la S1000RR. C'était pas bon. Eh, bref, c'était... Enfin, tu vois. Eh. De ces deux petites crottes là, on avait fait des petites courses avec Charlotte et je suis étonnée, c'est que je les ai pas cassées en deux. Je pensais que au bout d'un saut elles allaient me lâcher entre les jambes, entre les pattes, et en fait non. C'est vrai que c'était pas mal, c'était des petites motos qu'on achetait pour le délire, c'était pour les enfants normalement. C'était un peu chiant, des fois ça démarre pas et tout, enfin ça m'a un peu saoulée. Donc on est passé sur le level au-dessus, tu vois. On est passé chez Daffy à Clermont et j'ai vu cette petite CRF50 dans le magasin. Et je me suis dit, ouais, quand même, une CRF50, ça déchire sa mère, quoi. C'est genre la moto, toute ta génération de ta famille après, tu sais que cette moto, elle sera toujours là. Tu sais, t'as pas à t'inquiéter des problèmes de démarrage, des trucs de merde. Tu sais que cette moto, toute sa vie... elle sera dans la famille, tu peux graver ton nom de famille dessus, tu peux mettre ton arbre généalogique dessus. Et tu sais que c'est, voilà, en 2500, elle sera toujours là cette moto, dans le fond d'un garage quelque part, vivante, qui n'a pas démarré depuis 3 ans, et au deuxième coup de kick, elle démarrera quoi. Enfin, c'est quand même un truc de ouf. Donc je me suis dit que c'était quand même un bel investissement dans mon patrimoine, d'ajouter cette moto dans le garage. Et honnêtement, je vais pas parler à la place des enfants, Charlotte, mais c'est un peu la chouchoute celle-là. Quand même un peu plus confortable, c'est plus mou. C'est peut-être moins adapté à des bosses, à des trucs comme ça, mais c'est plus adapté, je pense, à l'apprentissage. C'est moins, ça fait moins peur quand même la CRF, non? Le prix est différent aussi. Voilà, bon, le prix c'est pas le même. Ouais, si, ouais. On va parler du tarif. C'est que pourquoi t'achèterais ça au lieu de ça? Tout simplement, le prix, c'est que ça vaut la moitié d'une CRF 50. Du coup voilà, et big up Charade Moto qui nous ont envoyé celle-là. Voilà. Allez, toujours sur du Honda, donc ça c'est le deuxième investissement rentable de ton patrimoine. C'est-à-dire que là carrément, on est sur un investissement de qualité quand même. On remerciera le Chave Moto par contre pour celle-là. Bah oui, hein, parce que j'ai des petites remises, comme c'est les magasins avec qui je travaille. Je les mets bien aussi. Voilà, ils m'aident bien, je les mets bien. Voilà, c'est la deuxième moto qui ne mourira jamais dans la famille. Elle est poussiéreuse là, Miskina. Tu dis que je l'ai pas bien nettoyée. Je vais résoudre ce problème, non. Je dis juste qu'on l'utilise pas assez. Voilà, c'est différent. Quand même plus d'électronique sur celle-là, hein. Quand même. Il y a là des petits trucs qui s'allument, des petits machins. Ça démarre toujours à froid, à chaud. Qu'est-ce que tu veux, c'est la qualité. C'est une de mes motos préférées de tous les temps, la 110 CRF. Ça fait des lustres que je roule en CRF. D'abord 70, ensuite j'ai tradé, donc j'ai échangé il y a longtemps, il y a au moins 4-5 ans, contre un CRF 110. Et depuis, la 110 est restée dans mon cœur. Voilà, elle m'a mangé un genou, mais tu vois, moi je suis comme une chienne fidèle, tu vois, je suis sans rancune envers ma moto et je lui en veux pas. Et encore sur une Honda, mais quand même, mais qu'est-ce que j'ai avec Honda quand même? Je suis peut-être secrètement fan de Honda. Sachant que mon premier gros cube, j'ai quand même beaucoup d'Honda dans ma vie. Hein. CB500, CBR600RR, CBR125, CRF, j'ai eu CRF450 avant. Non, non. On va y venir. La CBR125, le troisième investissement. En fait, j'ai l'impression que dès que tu achètes une Honda c'est for life, tu vois. Vraiment. Il y a pas... C'est pas leur...
leur slogan là, il n'y a pas un truc for life ou je sais pas quoi. Parce que c'est vraiment for life, c'est des motos increvables, c'est-à-dire qu'une Honda, tu casses tout, mais tu casses jamais le moteur en fait. La moto, tu peux la casser en deux, elle tournera toujours, tu mets pas d'huile, elle tourne quand même, tu vois. Incroyable. Encore une moto qui restera toute notre vie dans le garage, Charlotte celle-là. Mais déjà parce qu'on ne peut plus la vendre, elle est dans un état malheureusement pas trop pitoyable. Mais à la base, c'était votre moto, on se rappelle, hein. Fast 125, qui nous avait aidé à refaire cette moto qu'on avait achetée déjà dans un état pitoyable. On l'a refaite pour qu'elle roule parfaitement bien. Elle roule parfaitement bien et elle sert à se retourner en wheeling. Voilà, c'est une bonne utilité, je trouve. En tout cas, la moto idéale pour apprendre à conduire, à faire du stunt, à faire tout ce que tu veux, peut-être à faire du cross, même je pense que tu peux le faire avec une CBR 125. Et je pense que c'est encore une fois la moto à avoir dans ton garage, mais j'ai l'impression que je vais dire ça à toutes les motos, tu vois. Donc en fait, à un moment... Mais forcément, si tu les as, c'est que tu les kiffes. Bah ouais, mais tu vois, celle-là, tu sens que c'est des vrais, quoi. Je peux pas me séparer de celle-là. Je peux les prêter à des gens proches, tu vois, ma famille, tu vois. Je me disais, si ma nièce, mes enfants, ils veulent apprendre la moto, tu la prêtes, mais tu la récupères. Elle s'appelle revient toujours, tu vois. Tu peux pas la céder comme ça. Petite CRF de 52,5, vous vous rappelez? Alors, si vous vous souvenez pas, il y a un indice sur la déco, là, dans le radiateur. Et on peut se rappeler la déco qu'elle avait avant. J'ai pas retiré ça. Elle était blanche à l'époque, autrefois, l'année dernière, où je roulais avec. Et puis, j'ai cru, en fait, cette moto, c'était un partenariat avec Honda. Donc, ils me l'avaient prêtée à la base. Donc, j'avais fait ma déco, ma petite life dessus. Et à la fin de l'année, je l'avais remise rouge pour leur rendre. Sauf que en fin de contrat, ils m'ont proposé de la racheter. Et j'ai fait, bah ouais, carrément, je vais la racheter. Parce que c'était ma moto d'amour, de cœur. Et là, elle est déjà plus à moi. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? C'est Lulu qui va la récupérer parce que ma moto, elle fait doublon avec ma petite gaz-gaz. Et donc, déjà, je roule pas principalement en tout-terrain. Donc, je fais occasionnellement du tout-terrain. Donc, avoir deux motos tout-terrain, c'est complètement useless. Faut en avoir une. Le choix était très dur parce que celle-là, je l'adore, je l'aime trop. C'était mon bébé. Je suis collé une petite ligne yoche. Après un long débat avec Charlotte qui ne voulait pas que je dépense mon petit argent dans une ligne yoche. Je me suis dit, ma chérie, je me fais un petit plaisir, je mets une petite ligne yoche sur ma CRF et c'était déjà plus la mienne. Mais voilà, j'ai ma petite CRF ligne yoche. Voilà, c'est un kiff. Tu peux pas comprendre, c'est un kiff. Le premier truc que j'aime dessus, parce que malheureusement, ce que je reproche à celle-là, plus sur un bruit de casserole là quand même, que là tu sens que ça respire un peu plus, mais ça passe mieux sur les terrains, tu vois, c'est plus discret. Qu'est-ce que je kiffais, c'est la maniabilité, la légèreté. Cette moto, elle est menue, on dirait pas, mais par exemple tu passes sur celle-là, elle est plus massive, et d'avoir une moto menue psychologiquement, t'es bien, tu vois. Et c'était le best pour apprendre. Vraiment, cette moto, c'était à refaire. Je reprendrai celle-là. Et elle est trop belle, quoi, juste. Elle est trop belle. Pourquoi une CRF de nuit, c'est une valeur sûre que c'est trop beau. C'est trop beau gosse. Ça va me manquer, ça. C'est ce qui va me manquer le plus. La petite gaz-gaz, la nouvelle arrivée dans la famille, là, c'est la dernière, celle-là. Et j'ai eu du mal à m'y faire, les gars. Autant, le jour où j'ai essayé cette moto, je me suis dit que c'était une révélation, parce que c'était tellement simple à rouler, tellement confortable. Bon, ça, c'est dû simplement au moteur mou et aux suspensions très, très souples. Du coup, tu te sens bien dessus. Mais aussi, j'arrivais à envoyer tout de suite des gros sauts, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que c'est ce qu'il me faut. Et je pense que c'est ce qu'il me faut, en vrai, hein. C'est vraiment grave cool. T'as plus... je vais pas dire plus de coups. Enfin, c'est trop différent de la CRF de 2,5. Je n'arriverai pas à te dire au niveau technique, au niveau, tu vois, pousser, avancer, à quel point cette moto elle est différente. Mais c'est à essayer. Franchement, si tu cherches ta première crosse ou ta crosse pour évoluer, fais des essais et vois ce qui te convient le plus. En tout cas, du coup, elle a eu sa petite prépa. Voilà, avec MXT, suspension type cross.
C'est une enduro type cross en fait, donc c'est très polyvalent. Bah là vous allez vous dire, bah Sarah c'est pas ta moto ça. Bah non, c'est pas ma moto, mais c'est la mienne en garde, tu vois. Je suis responsable temporairement de cette moto, donc c'est la mienne. Si je veux, je fais ça en première et je lâche l'embrayage et elle fait un backflip si j'ai envie. C'est une KTM 450 EXC. Cette moto c'est une tuerie, vous vous rappelez, c'est la moto qui a l'embrayage réclusif, donc ça fait un effet automatique en fait. Donc c'est-à-dire que tu lâches ton embrayage et ça ne cale jamais. Donc c'est idéal pour les humains type Charlotte qui galèrent avec les embrayages. Et c'est une moto, elle est incroyable. Elle est cool. Ligne à cran. Peut-être que la ligne, elle irait sur ma casquette. Tiens, je lui vole sa ligne. Est-ce qu'on se fait un essai vidéo un jour avec cette moto? Ce serait cool quand même. Hein. Le gars qui a cette moto, donc Yua, notre ami finlandais, oui, parce que c'est une moto, on n'a pas expliqué, c'est les Finlandais qui nous l'ont laissé. Pourquoi ils m'ont laissé une moto? Parce qu'ils font des voyages réguliers en France, Finlande, et ça leur coûtait trop cher et trop de temps en déplacement de ramener leur moto à chaque fois pour faire des tournages. Donc ils ont laissé cette moto et l'autre qu'on verra après pour faire leur vidéo. Ils m'ont dit, vas-y. Roule, mais si tu casses, tu répares, quoi, en gros. Enfin, normal, tu vois. Donc ça, c'est cool, mais j'ai pas envie d'abuser, tu vois, de la bonne chose, mais on va se l'essayer un jour. Le seul truc qui me dérange, c'est très dur quand même. C'est des commandes de bonhomme, tu vois. Tu vois, faut quand même des bras, faut des biceps dans l'index, en fait, là. Il faut un biceps. Sinon, tu peux pas débrayer. Mais du coup, t'as pas besoin de débrayer, normalement. Pourquoi ça s'est coupé? Bah, tout simplement pour pouvoir faire ça, sans t'écraser le majeur. Et ça, voilà. Elle est montée en supermote, elle a un frein avant tuning, rétro tuning. Elle a une durite de frein avant, là, la rouge, qui fait 2 mètres de long, qui est complètement entortillée là, dans la plaque phare, parce qu'on a dû effectuer une réparation. C'est pris une grosse chute dans la dernière vidéo. D'ailleurs, vidéo qui nous a été ghostée de YouTube. Alors on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de se faire ghoster sa vidéo, c'est-à-dire que moi, elle est en ligne, active, sans restriction dans mon YouTube studio, et lorsque je suis d'un autre compte YouTube, qu'on tape la vidéo, enfin qu'on la cherche, on ne peut plus la trouver. Cette vidéo est devenue invisible, on ne sait pas pourquoi, on se demande, on cherche la solution. Attention, la platine fait maison. Tu vois, c'est un espèce de bloc là, de métal qu'ils ont coupé, taillé, c'est des ouf quand même les Finlandais, le machin qu'ils ont fabriqué. Et ça, c'est une petite crash cage. C'est un pegs, m'a dit. C'est pour mettre tes pieds. Et oui, je pense que ça protège le pot et tout des chutes. Voilà, le petit trou pour mettre ton pied. Avec la petite steel plate pour accrocher avec la petite vis pour que ça grippe bien dans ta chaussure, tu vois. Donc, essai à venir de cette belle moto. Qui a, je pense, un fort fort potentiel de fun. Bon, là, on est sur mes deux bébés. Mes deux motos que j'ai le plus poncées de tout ce garage. Celle-là notamment qui a beaucoup 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 d'heures de stunt, c'est ma 636 2015, voilà, qui a récupéré le cadre de la 2020. Vous vous rappelez le cadre qui était tout explosé et tout, finalement on a remis un cadre de 2020 tout neuf. Elle n'est pas totalement finie, je savais pas ce que je voulais en faire de cette moto, je voulais en faire une pistarde. Changer en soi, faut juste retirer les cages et mettre une transmise d'origine en gros. Il y a un peu de changement à faire quand même. Mais je pense que ça pourrait être cool d'avoir une moto que je m'en fous un peu pour la piste. Parce que là, pour l'instant, c'est la donneuse d'organes pour cette 636. Mais vu que celle-ci, la 2020, elle est toute neuve, je casse très peu de choses dessus. Donc, je casse si j'ai cassé un radiateur. Et sinon, vous avez vu la prépa Kala. Genre, vraiment, là, si je pète un truc, ça va être tordre un guidon. Ça va pas être des trucs de ouf. Les jantes que je tords en ce moment. Mais voilà, en gros, elle a pas beaucoup, beaucoup à donner, quoi. Je vais pas mettre un embrayage ou un truc. Donc je peux me permettre d'en faire autre chose, cette moto. En réflexion en ce moment, les amis, sur quel moteur je vais garder pour le stunt. Parce qu'en fait, le 2015 a un gros, gros, gros point fort sur le couple envoyé dans le moteur. Et j'arrive pas à le retrouver sur la 2020. Donc des fois, elle m'énerve. Il n'y a pas assez de... C'est pas du couple, en fait. Elle a du couple, mais elle a pas le... Le torque, je sais pas, comment ça s'appelle en français, tu vois, le tracte pas pareil. Donc c'est à dire que tu vas freiner et ton moteur il reprend pas aussi fort que celui-là. Donc ça m'énerve un peu. Donc je me tâte. Je vais essayer de changer les boîtiers, voir si ça change quelque chose. Et sinon je vais devoir changer les moteurs, quoi. Incroyable. Donc ça veut dire que j'aurai un châssis de 2020. Pas vraiment, tu vois, mais avec un moteur de 2015. Bon, là on a mon gros 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 baby. Je kiffe cette moto à mort. C'est n'importe quoi.
c'est le diable en personne, cette moto. C'est de la tuerie, je kiffe trop. Avec son petit gold rosé par Uji Motor. Uji. Sa petite ligne. Ara. Précise, elle est chicanée, c'était insupportable sans la chicane. On avait carrément des acouphènes au bout de quelques minutes de route. Donc bon, faut éviter quand même de se tuer la santé. Je sais bien que c'est bien de faire le kéké, mais on s'est dit à un moment... Moi, il y a un truc qu'il faut regarder, c'est... Regarde, approche-toi là de cette petite ligne. Regarde la belle couleur qu'elle a pris là. Je sais pas si tu te rends compte en vidéo. Ah, je pense que c'est très dur de voir, mais elle a pris un... C'est une ligne en titane. Et là, elle est en train de prendre un joli bleu, c'est vraiment beau ça. J'ai rien à dire de plus, cette moto est juste trop belle quoi, c'est un monstre. L'origine, elle faisait 200 chevaux, mais on sait pas combien elle fait avec la ligne. Et d'ailleurs, fallait qu'on la fasse passer chez Shiftech quand même, pour un petit passage au banc, juste pour savoir, tu vois, à peu près combien elle sort. Bon, là, on est dans une autre catégorie, hein, par contre. Vous vous rappelez de cette moto quand même? Qui n'a pas vu la vidéo du drift avec la Turbo Busa? On a aussi des vidéos à faire avec celle-là. Donc c'est une Suzuki Hayabusa. Alors je sais pas du tout c'est quoi, c'est un des 1300, non? 1300 je crois c'est. Et d'origine ça sort... je l'écrirai là, j'irai me renseigner. Et là elle sort 300 chevaux en tout cas, c'est tout ce qu'on sait. Donc c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais moi c'est une moto que je kiffe parce que c'est une moto qui a de la puissance tout le temps. C'est pas genre comme les sportifs qui ont de la puissance que en haut, genre faut accélérer pour avoir la puissance. Là c'est genre tu pars, elle est déjà en train de burner, tu vois. Donc c'est génial. Là Lulu il vient pas de s'acheter une H2R, un truc comme ça, la Turbo. Je pense qu'il faut faire H2R versus Turbo Busa. Ça doit être intéressant de ouf en vrai. C'est un monstre ça. Donc Hayabusa d'origine, ils ont collé un turbo dessus et des crash cages. Voilà, pour quand même pouvoir se crasher avec. Alors, tu sens vraiment que c'est une moto pour faire des trucs de débile ça. Tu vois la config. Elle est toute... Et c'est ça qui me rend ouf, c'est que la moto elle est full origine et t'as quand même une moto qui drift à 2000 tours minute quoi. C'est un truc de ouf. Je sais pas, j'ai toujours une appréhension avec cette moto quand j'imagine tout ce que tu peux faire avec, mais dans le sens tout ce que tu peux faire, mais tout ce qui peut t'arriver aussi avec. La voiture qui ne roule plus. Il n'y a pas des rats dedans des fois. Oh, il y a une toile d'araignée dedans tellement ça fait longtemps. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'était vraiment une petite présentation très très rapide et brève de chaque véhicule. Mais pour moi, la meilleure façon de présenter une moto ou... n'importe quel engin roulant avec ou sans moteur, c'est d'aller l'essayer et de le poncer. Il y a quelqu'un comme ça que tu vois vraiment ce que ça vaut. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça répond pas forcément à vos questions parce qu'on n'a pas forcément tout détaillé, quoique quand même. Hein. Faut que je fasse ça pour dépressuriser mon réservoir. Quand elle reste au soleil. C'est bon ? Oui. Donc prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo. Bye. Bizarroïde.